L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, avec ma douce de Matt à Engi, puis vers le haut par Mühlbach. Ardoise grise et grès, en couches superposées. Ce sont les mots qu'Arnold Escher note dans son journal en août 1840. Escher visite inlassablement les Alpes pour tenter de comprendre comment elles se sont formées. Des années plus tôt, son père avait découvert que des roches plus anciennes se trouvaient au-dessus de roches plus récentes. Mais Léopold von Buch, un géologue très influent à l'époque, refuta cette possibilité. La Grauwacke ne peut en aucun cas reposer sur des calcaires alpins. Les notes et les dessins d'Arnold Escher confirmaient pourtant la thèse de son père. Même si elle semblait invraisemblable, il restait persuadé qu'il y avait dans les Alpes glaronnaises un chevauchement colossal. Sur le côté est du Murgtal, on voit nettement le calcaire à bélimite. En l'absence de fossiles, il ne fait aucun doute que le conglomérat rouge est plus ancien que les roches calcaires. L'idée du chevauchement colossal était trop audacieuse pour l'époque et les doutes subsistaient. Arnold Escher n'osa donc pas publier sa découverte. Mais c'est bien sur ces notes et ces dessins des Alpes glaronnaises, désormais en libre accès à l'École polytechnique fédérale de Zurich, que se fondent les connaissances actuelles sur le processus de formation des Alpes. Il y a quelques années, l'utilisation d'ondes sonores a permis de déterminer la nature des strates rocheuses jusqu'à 60 km de profondeur. Les chercheurs poursuivent le travail initié il y a 200 ans. Ce faisant, ils contribuent à écrire un nouveau chapitre de l'histoire des Alpes.